Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Salut les gens, c'est MB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo puisque je viens de recevoir ceci de la part de Razer. Merci du fond du cœur à Razer qui m'a envoyé, leur dernier siège, le Iscur que vous voyez juste là. Et donc du coup, eh bien, on est parti pour une vidéo montage. Oula, wow, il fait 40 kilos, ok? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Bien, alors une semaine a passé depuis que j'ai reçu cette chaise, ce qui m'a permis eh bien, de la tester. Après le montage que vous avez vu, il y a eu du coup plusieurs jours durant lesquels eh bien, nous avons streamé, durant lesquels j'ai enregistré des gaming news sur la chaîne. Si vous aviez eu l'œil de l'aigle, eh bien, vous auriez repéré que derrière moi se dressait la nouvelle chaise de chez Razer, qui justement eh bien, propose plein de choses. Et donc du coup, eh bien, la review commence maintenant après le montage. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette chaise Razer. Déjà dans un premier temps, je pense que ce qui me convient le plus, c'est ceci. Ceci, c'est le petit bumper qui est juste là pour le dos qui n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à votre morphologie. Vous voyez qu'il bouge un petit peu ici. Il va s'adapter à votre morphologie pour justement eh bien, bien soutenir vos lombaires. Et ça, pour un siège gamer, ça fait toute la différence
clairement. Alors bien évidemment, il y a les choses classiques hein, sur le siège, c'est-à-dire le faire monter jusqu'ici, ou encore une fois, le faire descendre. Il descend pas très bas, c'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien, hein, quelque part. Et surtout, il y a pas mal de possibilités sur les accoudoirs. Les accoudoirs proposent trois différentes positions, enfin trois différentes slots de position, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, eh bien, via ce petit bouton qui est sur l'avant, voilà, il y a un petit bouton juste là, vous pouvez les pivoter classiquement vers l'extérieur ou l'intérieur, mais également les avancer ou les reculer, voilà, en fonction de là où vous allez poser vos coudes, hein, tout simplement, et également un autre bouton, juste ici, qui va permettre de les rapprocher ou de les éloigner. Donc assez sympathique d'avoir plusieurs positions. Petit défaut que je dirais, c'est que les accoudoirs sont assez petits. Personnellement, j'aime bien avoir un accoudoir un peu plus long. Donc si je devais quand même citer un défaut par rapport à ces accoudoirs, c'est qu'ils sont un petit peu trop petits. Autre chose, le siège est très épais. Le siège est hyper agréable. Encore une fois, vous avez bien sûr différentes positions. Voilà, la position la plus couchée, je crois que c'est celle-ci. Voilà, la position la plus couchée est celle-ci, et après vous pouvez aller vous balancer un petit peu plus si vous avez envie pour être comme ça. Donc en termes de position, on est bien, mais surtout, voilà, moi je le répète encore une fois, le coussin pour les lombaires qui est juste là, enfin, c'est pas un coussin qui s'enlève du siège, c'est vraiment un coussin qui va... Ça, c'est moelleux, ça va vous soutenir littéralement. Et en plus de ça, il y a un petit coussin de tête que vous pouvez rajouter ici pour pouvoir, eh bien, soutenir votre nuque, encore une fois, ce qui est très pratique. Enfin, ce petit coussin qui est tout moelleux avec le petit logo Razer. Donc vraiment hyper sympa de ce côté-là. Après, on est sur une chaise gaming qui est chère. Elle vaut 499 €. C'est donc une chaise haut de gamme, déjà en termes de finition, parce que bah, les matériaux de la chaise sont juste magnifiques et somptueux. Encore une fois, c'est des matériaux de luxe. On voit que chaque petite couture respire la qualité. Merci beaucoup à Razer de me l'avoir envoyé encore une fois. Je n'ai pas de défaut à proprement parler, à part les accoudoirs. Ça fait du bien d'avoir une bonne chaise. J'avais une autre chaise juste avant, et celle-ci, en fait, on est le level au-dessus. Alors j'ai totalement conscience que tout le monde ne pourra pas se procurer cette chaise Razer, évidemment, parce que à 500 €, c'est un gros investissement. Je crois qu'elle fait partie des chaises gaming les plus chères à l'heure actuelle sur le marché. Mais soyons francs, c'est un plaisir monstrueux. C'est un plaisir monstrueux. Et voilà, moi je voyais que là je suis assis au fond et... voilà, j'ai mes lombaires qui sont soutenus et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Parce que vous savez que je passe toute la journée dans la chaise, hein. Je me lève à 7-8 heures, je passe ma matinée à faire de la compta ici, et puis après on stream jusqu'à 18-19 heures. Donc en général, de 8 heures à 18-19 heures, pause manger entre temps, je suis dans ma chaise. Et franchement, si, petite chose, par rapport à ma précédente chaise, l'assise est plus dure. Alors... J'avais vu ça comme un défaut les premières utilisations, en me disant c'est vachement dur en fait comme assise. Et en fait, je me rends compte que l'assise étant plus dure, parce que on est sur je sais pas si c'est du cuir ou pas, l'assise étant plus dure, mon gros fessier eh bien a trouvé davantage sa marque. Et surtout, en fait, il y a une espèce de perpendicularité par rapport à mon buste, qui fait qu'il est bien soutenu. Et pareil pour les lombaires. Moi je loue, je mets en avant, en fait, le fait que les lombaires sont soutenus, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Peut-être que c'est ce que vous aurez le plus entendu dans cette vidéo, mais ça, là, ici, avec les petites coutures, ça fait vraiment toute la différence à mon sens. Voilà, je tenais à vous le dire encore une fois, la qualité de cette chaise n'est pas à prouver, la qualité est juste parfaite, mais oui, elle est onéreuse, mais elle est vraiment très agréable. Encore une fois, voilà, les tests de roulage... Elle roule très bien. Il y a des gens qui m'avaient dit: oui, tu pourras nous parler des roulettes de la chaise. Bah, les roulettes de la chaise, c'est des roulettes, quoi. Il y a 5 roulettes, ça roule bien, c'est une chaise gaming, tu vois. Genre, tu vas pas faire ça tout le temps. Tu peux, mais ça ne te servira à rien. Encore une fois, tu peux te balader dans ton bureau comme ça, mais ça ne te servira absolument à rien. Bref, en tout cas, voilà pour le montage et la petite review de cette chaise de chez Razer, que vous verrez de toute façon tout le temps derrière moi, parce que je suis assis dans ma chaise quand je fais des vidéos et des streams. Donc vous la verrez tout le temps maintenant. Elle remplace ma précédente chaise et... C'est pour simplement du bonheur et surtout de la jouissance de mes lombaires. Voilà, de Christophe Lombert. Ah putain, j'ai vraiment fait cette blague. Allez, on arrête les conneries. Merci beaucoup à Razer encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. C'est toujours encore à vous derrière votre écran de décider. Salut, salut.